Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Narfank pour un nouvel épisode sur Bomber Crew. Alors très bien, on va pouvoir... J'ai fait encore une autre mission entre deux, hein. On a fait quelques missions, tout ça, tout ça. On a un peu de thunes, on a un petit peu de recherche, on n'est pas trop mal, on n'a pas avancé grandement puisque j'ai toujours pris des missions courte portée. Et ce coup-ci, on va pouvoir faire ma mission préférée, c'est-à-dire venir en secours à son prochain, prendre une photo. Et du coup, si ça se passe bien, abattre un enculé. Au passage, pour cet enculé, j'ai quand même les dégâts réduits de 1 pour la prochaine mission, donc cette mission-là. Donc c'est quand même, enfin, les dégâts sont réduits, donc il devrait nous faire beaucoup moins mal. Et normalement, ça devrait être Kaspar Van Knal qu'on va affronter. Et puis, bah, on est à côté de la côte si jamais ça tourne mal. Et au passage, je nous ai équipé d'un missile. Ça fait pas très reporter, j'en suis conscient. Mais c'était là, on avait du pognon, je l'ai acheté, quoi. Parce qu'il me reste vraiment plus que ça, hein. L'avion est full là pour l'instant. Si on va pas plus loin en termes de recherche, comme quoi c'est intéressant de farmer les petites missions. C'est intéressant parce que finalement, même si on gagne très peu de recherche, on gagne surtout beaucoup plus d'argent. Ce qui peut vous permettre de vous retaper une petite santé. Voilà, maintenant. Maintenant que ceci étant dit, zoukons un peu plus. Oui, on va te larguer ça, TKT tonton, y a pas de souci, on part sur se pencher tranquillement. Right, s'il te plaît, viens ici, charge-nous les fournitures, reviens à ton poste, tac, on va par là. Voilà, formidable. Formidable. Alors par contre, les missiles, je ne sais pas du tout comment ça marche, je sais qu'on a des missiles qui sont à tête chercheuse. Alors après, je ne sais rien d'autre, hein. Je vous avoue, je comprends pas tout. Hein. Mais je pense que c'est vachement utile, avant toute chose. Ok. Là, idéalement, il nous faudra un petit boost. Pour trouver assez rapidement l'objectif, avant que des chasseurs ne débarquent. Kaspar, tu es là. Kaspar, tu es où? Kaspar! Viens ici, vieux salaud. On va s'occuper de toi, on règle juste ce petit détail technique mon gars et on s'occupe de toi. Jess, tu veux bien te concentrer, du balancer de l'incendiaire, tu balances tout ce que t'as. Et on largue. 3, 2, 1, go. On ferme les portes. Merci Kaspar d'être passé, c'était très aimable à toi. Je te remercie, vraiment c'est... C'est très généreux quelque part de ta part. Je dirais bien, va te faire soigner. Mais normalement, on devrait pouvoir prendre une photo dans le coin. Ah, photo, par ici. Photo par là. Toujours par là. Mademoiselle Scott, s'il vous plaît, est-ce que par hasard, il vous arriverait de travailler? Ne travaillez jamais, on va envoyer Duncan. Ouais. Toi, tu peux rester là. Duncan. Prends la tourelle, fais genre tu travailles, quoi. Genre au moins. Va t'asseoir quand je change de chaise au moins. Change de fauteuil. Bert, s'il te plaît, tu prends la sauce. Bert, c'est bon. Edges, va recharger s'il te plaît. Right. This is right. Oui, ça marche. Bravo Duncan. Vous pouvez retourner à votre place, travailler un peu. On a le droit à une photo, je crois. Un petit clic-clac des familles. Un petit clic-clac. Après, on se fait une petite escouade de chasseurs entre vous et moi, comme ça, tranquillement. Et puis, voilà, on rentre à la base, non? Petite escouade de chasseurs, hein? Même pas? Si, ah! Mais ils sont. Ah ouais, non, mais il va falloir aller les chercher sinon jamais ils vont venir. Ah, s'ils viennent! Si, ils viennent. Merde, ce serait bien que vous regagniez votre poste. Jace, concentrez-vous. Il y a juste à tirer tout droit. C'est juste éviter de trembler et bah ils sont morts. Ce canon MK20 est pété et le deuxième est encore plus pété. Parce qu'il y a plus de munitions dedans. Ça ne veut rien dire. C'est une horreur. Alright, allez vous faire soigner. Ici, c'était un peu, on va pas perdre de temps sur une mission comme ça. Une mission aussi nulle que ça, voyons. C'est scandale, ça serait scandale aussi.
Et alors là, tu peux soigner un pote, non? Je sais pas compris comment ça se passait. Je pense que vous pouvez faire des choses intéressantes. Scott, un petit boost s'il vous plaît. On aimerait bien arriver le plus vite possible dans la zone. Voilà, parfait. Scott, vous pouvez aller vous faire soigner, Scott. Barrez-vous, Scott, loin de mes yeux. Loin de mes yeux, loin de mon cœur, enfin loin quoi. Ouais, parce que ça va à l'écœurement là. Ouais, bien, formidable. On t'a accéléré tout ça là, on traîne la patte là. Ouais, sort le train d'atterrissage, vas-y, petit bonhomme. Alors attention, c'était facile, mais à n'importe quel moment, tout peut devenir difficile, attention. Paf, un petit billet de 10 000. Un petit billet de 5 000, en fait, à ce stade-là, payez plus la mission, quoi. Non, mais payez plus, enfin si, on aime beaucoup, on aime l'argent de toute façon, donc si, payez quand même toujours. Voilà, mais disons que ça commence à se voir que j'avais plus rien à acheter, quoi. Mais là, 16 000, on va peut-être pouvoir acheter une connerie, non? Non? Ah si, extincteur de moteur 4. Eh ben, on va acheter ça parce qu'on a. On a que ça à acheter, hein. On a que ça à acheter, c'est parti. C'est parti, système d'extincteur MK4 installé. Ah, le poids dépasserait. On est trop lourd. Ah, on est trop lourd. C'est rigolo. Alors, ça, c'est rigolo. Du coup, on serait obligé de partir sur un moteur genre plus léger. Ah oui, en rentrant un petit MK3 léger en fait, ouais, je perds un peu de blindage, enfin je perds la moitié du blindage d'ailleurs. On rigole, enfin, je perds plus de la moitié du blindage d'ailleurs. Par contre, je gagne beaucoup. Et ben moi je dis, on se passera du système incendie à ce niveau-là, hein, parce que vu la perte de blindage, c'est quand même les moteurs qui nous permettent de voler à un moment donné. Hein. C'est vrai que je vous aime pas les gars, mais qu'est-ce qu'on a ici? Ici tout va bien. Pourquoi ici c'est du bleu? Pourquoi c'est du bleu là? Personne d'hostile dans les parages? Personne d'hostile. Pourquoi il y a un trait rouge qui s'en va là? C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Comme c'est bizarre. Mission, mission, Francfort. Moi je dis qu'on est prêt quelque part pour une petite mission critique quoi. Je pense que ça peut se faire. Alors, c'est l'opération Le Lantos. Nous avons reçu des renseignements selon lesquels un haut gradé ennemi visite un QG secret à Alderhost. Ah oui, putain, oui, c'est vrai, c'est ça. Allez, c'est parti. Voilà, je l'ai lu dans un précédent épisode, c'est pour ça que je ne le lis pas jusqu'au bout. Donc bref, on va aller bombarder une zone. Visiblement. Détruire la cible. Opération Le Lantos. Opération, on aime ouh, on a que 3 bombes. D'accord. Opération grosse charge. Grosse charge. Yaya, opération grosse charge. C'est parti. Ouais, par contre. S'il vous plaît. Allez, le reporter qu'on s'envole. Stratégie incroyable qui consiste à faire croire qu'on est que des que de vulgaires reporters. Reporters qui peuvent plus avoir ces petits drapeaux blancs là. Moi j'aimais bien les petits carrés blancs, ça faisait genre drapeau blanc, ça faisait genre qui tirait pas, on est civil quoi. Là ça fait quand même militairement très engagé. Mais je pense que si on réussit cette mission, on aura peut-être droit à un habillage plus civil. Voilà, de l'engin. Voilà. Ah oui, bah, du coup on s'emmerde. Ouais, alors en fait, non. Voilà. T'as lâché le boost quand même? Ah, non, du coup, c'est lâché quand même. Ok. Ok. Voyageons, voyageons.
Donc là, on va tomber sur une base qu'on ne peut pas bombarder, parce que ma vie, ouais, c'est de la merde. Ah d'accord, il faut que je m'éloigne. Non mais il faut que je demande à passer là. On s'éloigne, mais je pense que c'est mort, on va se faire repérer. Ouais, on est repéré. Ok, on va là tout de suite. Ok, j'assois une commis. Très bien. Très très bien. Il n'y a toujours que toi qui tire encore, il n'y a que toi qu'on profite à chaque fois. Allez, concentre-toi. Bien, on passe entre les bases, ça a l'air d'être bon. Ok, savoir comme ça, hein, faut bosser un peu. Quand on se navigue comme ça, faut naviguer un peu manuellement, du coup. Hein. Donc, je suis sur la cible tranquille. En vrai, ça peut être une mission, enfin, visiblement très peinard. Bon, après, ceci dit, pour l'instant, elle est peinard pour moi, donc je vais pas me plaindre. Quoi? Monsieur Scott, s'il vous plaît. Ah, et par contre, là c'est radar. Ouais, par contre, là c'est radar. On n'a pas le choix. On est repéré. Mais je suis des déter, on est repéré. C'est un strike. Ça nous a fait plaisir. Retour à la base. Retour à la base. Il va encore faire survoler de base, hein, ces abrutis. Hein. Par contre, moi, y a pas moyen d'arracher une photo. Avions en tout cas qui sont. Parce que là ils ont mis de sauce hein. Oh.
s'est bien passé. Très bien. Tu recharges. Tu recharges. On a le temps. On sait qu'on arrive sur la côte. On est bon. On sait qu'on est bon. Bird qui a encore pris le tarif, hein, putain. Bird, mon pauvre vieux, qu'est-ce que tu payes, quoi? C'est terrible. C'est terrible. C'était vraiment le, t'es vraiment la plaque de blindage arrière. En même temps, s'ils avaient été un peu moins couillons, ils auraient mis une petite plaque de blindage ou deux quand même, hein, sur ton... sur ton stuf. Ah, il y a que Richie qui a bouffé encore un peu, hein. Pamela l'a pris, mais bon, ça va. Bon, Bouzing est un peu croqué à certains endroits. On voit que ça se fait tirer dessus devant, mais sinon, en vrai, ça va. Ça s'est très bien passé. Petite mission tranquille, hein. Moi j'étais sous pression tout le long, du genre attends, à quel moment ça va mal tourner, je me prends tout le monde dans la gueule. Et non, en fait, ça c'est tranquille ou quoi. 17 900, on ne passe pas la tranche des 18 000, c'est dommage. Paf. Pas de photo hein, à ramener, du coup, c'est un peu triste, j'avoue. Canot pneumatique MK3, les missiles 3, évidemment. Évidemment. Mais. Mais on ne peut plus charger, on ne peut plus charger puisqu'on l'a, on l'a surchargé. C'est tentant des fois. Hein. Après, après pour ce que je m'en sers de cette connerie, on pourrait sinon temporairement, voilà, réinstaller, on se fait rembourser 1000 boules. On va sur l'armement et on achète plus de missiles dont on ne se sert pas. Parce que nous sommes des journalistes, évidemment, des journalistes de guerre, donc on n'utilise pas d'armes comme ça, enfin voilà. Enfin, là c'est trop quoi, au bout d'un moment ça va se voir quoi. Ça va se voir, on va se faire griller notre couverture les mecs. Alors, reconnaissance sur la... les plages du débarquement. Oh, intéressant monsieur. Parachutage de TNT pour la résistance. Toi aussi. Réserve de pétrole de Brême. Ah, tout est très intéressant. Le truc technique, c'est que nous on est des photographes. Donc la prochaine mission. La prochaine mission. Hein. Là, bon, la prochaine mission c'est maintenant. Allez, c'est là. On y va. On va prendre quelques clichés. Je sais, c'est un peu cliché. LOL. Ultra troll LOL. Ok, voilà. La mécanique est un peu rodée, on est pas mal. Alors on va voler, on va survoler une rivière, c'est le drama. Non, c'est bon, ça passe. Ah là, là on va être ralenti, là c'est un peu large, c'est un fleuve quand même. Si on monte en milieu, normalement tu suis là. Si on monte en hauteur moyenne, là tu suis, non? On y est déjà? Tu prends ta photo s'il te plaît. On descend. C'est quoi cette merde? Pas ce machin. On prend une photo de ce truc ou faut le défoncer? Moi s'il faut le défoncer, moi je le dis tout de suite hein. Je le défonce hein. Et on est repéré? Pas de problème. Oh,
Qu'est-ce que c'est que ce canard? Ah, plus on s'en approche, plus vite on est repère, ok. D'accord, je saisis un peu le concept, mais normalement j'arrive assez vite pour te la lâcher et de te faire fermer ta gueule peut-être. C'est bon, ça a l'air d'être pas mal. Ok, on va par là. Scott, éteins-moi ce moteur. Vide le carburant. Ok. Moi je m'en fous d'être repéré, hein. C'est juste pas un problème, faut bien comprendre. Hein. Elle va recharger, vieux. Tes conneries. Excusez-moi. Ah, qui c'est, monsieur? Enfin, mademoiselle Scott. Madame Scott, on s'en fout. On s'en fout! Cette photo est prise. Nous verrons en demi-tour. On a une photo là aussi à prendre de mémoire. Ok. On risque de rentrer tout ça avec un moteur en moins. Je tire pas dessus. D'accord. Oui, c'est de la merde. J'ai cru comprendre. Pas bien. Bert va prendre des soins. Uchis va te faire réparer. Ok, pour l'instant on économise de carburant. Il va falloir qu'on booste là, monsieur Scott. Dès qu'on sera à portée de détection, genre maintenant. On ouvre les portes le plus tard possible. Oh, il y a une autre photo là, on va y aller. Ouais, Scott, monsieur Scott, on s'en fout, vous avez chez vous. La part tu brilles, mon vieux. Brille, brille, brille. Cette ruse, le temps que quelqu'un se mette en place. Elle va pas me cracher mon avion, mec, hein. Oh, culé. Pas le sol, je l'ai vu de très près, hein. J'ai pas aimé ça. Hein. Du tout. On va passer dessus. On va faire un backdash. On va faire un petit move de type arrière. Hop! Un missile, vieux. Lâche tout, Scott. Scott, viens ici. Vite. Oh, faut que tu mettes
éteignez un incendie là, 2, 3, je sais plus où, et vide-moi tout là. Vide-moi tout, vide-moi tout. Ok, très bien. C'est vidé. Radio, s'il te plaît, marquage auto, j'ai pas le temps. Pas le temps pour ces conneries. Benji, s'il te plaît. Benji, s'il te plaît. Ouais, je remonte ici. Et concentration incendiaire, s'il te plaît. Donne tout ce que t'as. On n'est pas joli, on n'est pas jojo, on n'est pas bien. Ok, faut que t'ailles nous réparer deux ou trois petites choses. Voilà, on a mis le poids là, là où ça tire. Ouais, est-ce que tu peux remonter ici? Hutch, Hutch, je vais te faire soigner. Vraiment, je te jure, on va te faire soigner. J'ai pas eu le dernier. Hein. Faut dire, on n'était pas glorieux. Hein. T'as fini de bronzer là? On est en Angleterre, ça sert à rien, tu bronzeras jamais ici. Ok. Ok, bon, on est pas mal. J'ai pas eu le dernier quand même, hein. C'est qu'en vrai ça a pas l'air comme ça, mais ça avoine, hein. Ça avoine un peu tout ça. Paf. Alors, du cache, un peu de recherche. On est pas mal. Ah, je crois pas qu'il nous a donné la photo bonus, j'ai pas vérifié. Très bien, incendiaire pour Scott et pour Wright, pour Hélène. C'est cool, ça fait plaisir. Moult amélioration. Ah, j'ai du .50 M15 avec bande de munitions. Voyons voir ce que ça donne. Voyons voir ce que ça donne tout ça. Voyons donc. Alors, apparemment, nouveau moteur aussi, mais je crois que c'est juste du blindé. Ouais, c'est du blindé, j'aime bien, mais on peut plus rien transporter avec cette connerie. Voilà, donc c'est pas que je t'aide pas, mon gros, mais ça commence à devenir compliqué. Donc, ça, plus la bande de munitions. On perd du poids, on économise en fait sur les bandes de ceinture et on gagne en dégâts, donc ouais, ouais, complètement. Et devant aussi. Paf, en système. On a le système électrique 5, c'est parti. En survie. Oh, on a le pigeon, on a le plus gros de tous les pigeons. Avec la casquette de capitaine. Ça c'est du vrai caf. Ça, mon gars, c'est du vrai pigeon. Ça déconne plus. Donc là, on arrive sur du blindé MK4. Hein. Donc là, on commence à arriver sur des gabarits que. On supporte. On supporte. Non. Vraiment. Genre vraiment. Parce que si c'est vraiment ça. On se refait tout cousin, hein. Comme ça, hein. Là, hein. Voilà, moi, si ils le prennent comme ça. Voilà. Je crois qu'on est à fond partout. Ouais, matériel, c'est bon, ça c'est sûr. Dans les systèmes. Enfin, ça sera 22 000 que ça change. Ah non, les extincteurs moteurs, on n'est pas pu les installer, c'était trop lourd. C'est vrai que c'était trop lourd. Les tourelles, on est bon, on a économisé du poids sur les tourelles, ça fait plaisir. C'est cool, hein. Bel avion, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Et la campagne, on en a fait la moitié, hein. 4. On a fait un beau morceau, ça fait plaisir. Donc là, c'est du parachutage, c'est de la chasse classique, il n'y a plus une mission particulière. On pourrait aller à l'arme secrète, mais alors là, on va loin. Et pilote de chasse, allez, vas-y, t'as raison, oui, t'as raison. Il est là aussi, non? Non, il est pas là. Alors, on pourrait aller parachuter de la marchandise pour la résistance. Ah non, parce qu'on les aime bien. On les aime bien. Ah, blindage à bout des ennemis, c'est pas mal.
Nombre d'opérations canon flak diminué pour les deux prochaines missions. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, je pense qu'on va aller filer un coup de main à la résistance française, bien sûr. Et tiens, regardons ce tableau des as. Il nous reste Francesca Festuck sur la première ligne à sortir. Pour revenir là où j'en étais. Donc Francesca Festuck, je crois qu'elle m'avait posé quand même pas mal de problèmes. Ah non, c'était Caspar qui m'avait posé pas mal de problèmes. Ouais, non, mais je pense qu'avec mes canons de 20, si elle est bien alignée, on la sort. Avec bien sûr toujours une mission courte portée, hein. Je le rappelle, mission courte portée pour la sortir. Ce sera bien. Ce sera bien, ce sera bien. Donc la prochaine fois, vive la France. Vive la France encore. Encore la France. Toujours la France. Jean Bomber. Je vous remercie. C'était Knarfank sur comme d'habitude gaming pour Bomber Crew. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.